effective start of the academic year in the Anglophone regions of the Northwest and Southwest after it was paralyzed yesterday, Monday, by the ghost town phenomenon. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's midday on Equinox Television. You're welcome to the Balingua Newscast. Christine Babanda, bon après-midi. Good day, Malaglory. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce mardi et midi, coup de projecteur sur le premier jour de classe hier lundi 4 septembre au lycée bilingue de Sodiko à Bonabéry dans l'arrondissement de Douala 4e. La rentrée scolaire 2023-2024 est bel et bien effective, surtout pour les écoliers qui frappent pour la première fois les portes du secondaire. Images et commentaires, Robert Mokoubé, Julien Guignondé. Souriant et confiant, les jeunes élèves venus tout droit du primaire, admis en classe de 6e au lycée bilingue de Sodiko à Bonabéry, ne manquent pas d'exprimer la joie qui les anime en ce jour de rentrée scolaire. Une expérience nouvelle qu'ils espèrent positive avec à la clé le succès. Je fais ma première expérience au secondaire et je suis très fière d'être en 6e. L'école a bien commencé et nous espérons que cette année scolaire nous apportera beaucoup de joie. Maintenant, je suis au lycée. Je suis très contente d'être ici parce que ce n'est pas chaque élève qui a le privilège d'être au lycée. Cette année scolaire 2023-2024 sera très bonne. Pour obtenir de meilleurs résultats, les enseignants promettent mettre les bouchées doubles en faisant scrupuleusement appliquer la discipline et la transmission du savoir aux jeunes apprenants. Il faut qu'il y ait une très grande discipline ici et que les élèves travaillent bien. Les résultats doivent être bons parce que les mesures que nous avons prises, c'est d'abord la ponctualité, la régularité à l'école, que nous soyons de plus en plus zélés pour pouvoir transmettre ce que nous avons en nous, ce que nous avons appris à l'école. Et comme nous sommes des anciennes maîtresses, l'expérience que nous avons déjà eue à l'école maternelle, nous croyons que nous allons user de ça ici. La rentrée scolaire 2023-2024 est donc effective dans le 4e arrondissement de Douala. Certains traînent encore le pas. Pour ses parents, la difficile conjoncture actuelle ne leur a pas permis de s'acquitter au plus vite des frais de scolarité. Restons en éducation avec cette 16e édition de l'excellence scolaire Papeterie Nono, le mérite des centaines d'élèves récompensés à travers le pays dans la ville de Douala. Un reportage. Ils sont une centaine de lauréats gratifiés pour le compte de la 16e édition du programme de l'excellence scolaire Papeterie Nono, baptisé au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Ces artisans de l'excellence porteront le message de la lutte contre les discours de haine de plus en plus récurrents dans notre société, avec en perspective la construction d'un Cameroun meilleur. Je me sens comme dans une béatitude, dans une joie immense et totale avec cette 16e édition. Cela prouve tout simplement que l'excellence scolaire Papeterie Nono a des bons jours devant elle. Un coup d'essai, un coup de maître, justement, parce que jusqu'ici, c'est les majors francophones qui remettaient le flambeau. Cette fois-ci, il y a eu on a renversé la tendance et c'est les deux majors francophones et anglophones qui ont remis, et c'est aussi le côté inédit de l'événement. C'est aux couleurs du partenaire Schneider que les lauréats ont reçu des sacs à dos, cahiers, paquets de stylos à billes Schneider et ordinateurs dernière génération. Un geste de cœur qui permettra à ces jeunes élèves de mieux entamer la rentrée scolaire. Merci d'abord à la papeterie Nono et que le Seigneur bénisse toujours Papi Nono pour qu'il puisse toujours primer l'excellence scolaire. Vraiment, je suis vraiment très impressionné parce que d'abord, être porte-flambeau a d'abord été mon objectif pour cette année. Mais maintenant, là, comme je suis porte-flambeau, vraiment, j'ai vraiment une très lourde charge. Et j'espère vraiment que l'année prochaine, je vais vraiment venir ici là comme étant major national. Ça, c'est mon plus grand de tous les objectifs pour l'année 2024. Lieu de rencontre pour ces moments inoubliables, la papeterie Nono, pôle de Akwa, avec la forte présence de nombreux parents. Les quatre meilleurs lauréats du programme ont reçu chacun des prix spéciaux. Ndjok Johan Pierrot a reçu le prix du major du sous-système francophone avec sa mention A-grade au DCE A-level. Le jeune Djemeni Alès du collège Airfil, senti major du sous-système francophone grâce à sa mention très bien au baccalauréat A4 session 2023. Et dans la foulée, le prix spécial Schneider est décerné à la jeune John Paco Larissa du lycée bilingue de Bouda qui a obtenu la mention A-grade au DCE A-level. A responsibility, which is to prove to Papeterie Nono and this
organization that I will really work harder and work very very hard. Le message que je peux leur envoyer, c'est de travailler dur. Travailler dur dans le sens d'être toujours le meilleur, parce que ce n'est pas une tâche très difficile, ce n'est pas une tâche très facile. Et ça en demande beaucoup de courage, de détermination, de discipline. So this gift are a help for me as I'm entering into the new medium, which is called university. So that now it can help me and study better. And I also thanks Papete Nono for rewarding students according to their hard work in the academic year. Le flambeau est ainsi passé au lauréat de l'édition 2023 pour susciter ardeur au travail et culture de l'excellence tel que voulu par le programme de l'excellence Papeterie Nono. Quelle filière choisir après l'obtention du baccalauréat? La question qui taraude les esprits de moult bacheliers est au cœur des préoccupations de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée dans la ville de Douala. Reportage. Immersion dans les ateliers d'orientation de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. La spécialité géomètre topographe, donc ça permettra que l'enfant soit perfectionné de façon pratique. Baccalauréat, maintenant comme vous êtes anglophone, elle a beaucoup plutôt le flux. Des parents d'élèves, tout juste bacheliers, sont venus les assister dans le choix de leur filière. La filière que ma fille va prendre, elle veut faire ses sciences. Et franchement, depuis que j'étais en train de chercher, je suis arrivée ici, Dieu merci, j'ai trouvé la filière qu'elle voulait faire, science. Oui, je suis venu parce que je veux faire inscrire mon fils qui va en licence professionnelle en banque et finance. C'est ça qui m'a motivé à ce que je permette à mon fils de continuer jusqu'à ce niveau-là. Afin de faciliter le choix de leurs futurs étudiants, l'IUG organise depuis le 20 juillet et ce jusqu'au 31 octobre 2023 des ateliers d'orientation en son campus A de Douala Bassa. L'étudiant qui arrive chez nous, en fonction de son baccalauréat, il a toutes les informations possibles sur l'étude universitaire au Cameroun, que ce soit dans le privé que dans l'université publique. En termes d'innovation, cette année, nous lançons les nouvelles spécialités comme la maintenance biomédicale, l'infographie et web design, l'assurance et le project management pour les anglophones, l'ophtalmologie. Même pour les anciens, le passage au cycle supérieur nécessite une orientation. La troisième année est disponible. Comme on le dit si bien, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais juste continuer dans la même lancée. Après trois décennies d'expérience dans le domaine de la formation académique, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée entend maintenir le cap. C'est d'ailleurs pourquoi l'IUG a étoffé sa panoplie de filières. Depuis 30 ans aujourd'hui, nous mobilisons nos expertises, nos compétences, notre savoir-faire, notre expérience pour contribuer, pour apporter une valeur ajoutée à la carrière universitaire des bacheliers qui viennent vers nous. Quand ils obtiennent leur bac, marquant l'apothéose de leur cycle secondaire, nous mettons donc en place des ateliers d'orientation. Il y a des nouvelles filières dans les sciences de technologie. Il y a également les filières juridiques, dans les BTS également. Il y a des formations complémentaires que nous allons mettre en place cette année. Fondé en 1993, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée est un groupe de trois établissements d'enseignement supérieur basés dans le même campus à Bassa, Douala. Spécialisé dans les domaines du commerce et de la gestion, de la communication et de l'information, de l'industrie et des nouvelles technologies et de la formation paramédicale, elle est l'une des plus importantes institutions privées d'enseignement supérieur au Cameroun. Autre chose à présent, la compagnie de téléphonie mobile Orange Cameroun récompense la fidélité de ses clients et partage 100 millions de francs CFA à ses abonnés. Découvrons dans ce récit qui sont les premiers heureux élus. Ajoutez, venez de tous les réseaux, le moins cher, vous aimez, le million,
Scolaire pour gagner ce lot. Je suis vraiment émue, je suis très contente et je dis merci à Orange Money. On dit merci à tous nos clients. On dit merci à qui? À qui? À qui? Oh. Un grand merci à qui? Oh. Oh, à qui? À qui? Oh. J'ai fait mes achats aujourd'hui à Solution Bookshop pour un montant de 75 625 francs. L'argent est toujours bien à tout moment. Donc quand on reçoit l'argent, on va toujours trouver ce qu'il y a lieu de faire avec. Très contente, merci beaucoup à Orange. Le Seigneur m'a conduit ici aujourd'hui pour pouvoir gagner un lot de 100 000 francs. Vraiment, je suis très très heureuse parce que à ce moment, un 100 000 francs, vraiment, c'est pas donné. Hein. Chers parents, chers familles, chers partenaires, aujourd'hui encore, c'est le merci de la rentrée. Jusqu'au 30 octobre, Orange Money va distribuer 100 millions de francs CFA de bourses scolaires. Si vous voulez faire partie des heureux élus, c'est très simple, faites une transaction Orange Money en payant à la librairie, en payant la tenue de vos enfants chez la couturière, en faisant un retrait d'argent pour faire toutes sortes de transactions. Merci et bonne chance à vous. Orange. Quatrième édition du championnat Ocala Football 2.0 Petit Goal organisé par l'association des jeunes de Bépandatil qui a remporté ce tournoi. Élément de réponse dans ce récit. Sous le haut patronage de Nicanor Wafo de Nikosal, la quatrième édition du championnat Ocala Football 2.0 Petit Goal, organisée par l'association des jeunes de Bépandatil, a tenu en haleine de nombreux spectateurs. Après trois mois de compétition qui a mis aux prises six équipes, Kaïsa et Clinique La Life, les deux meilleurs teams du championnat, ont croisé le fer dans une finale de grand jour. À l'issue de cette rencontre format Petit Goal âprement disputée, la formation de Kaïsa triomphe de Clinique La Life sur le score d'un but à zéro. Les supporters exultent de joie, félicitant le tout nouveau champion. À la finale, nous on a pêché. Il y a certaines actions qu'on ne jouait pas à fond, il y a d'autres actions où on se donnait pas aussi avec dévouement que l'adversaire. Leur seul objectif était de gagner et ils ont eu plus de hâne de gagner par rapport à nous. Et le match, c'était un match très difficile. On a essayé de prendre l'avantage dès le début du match et Dieu merci, il était avec nous, c'est ce qui s'est passé. Bon, maintenant, mes coéquipiers et moi, tout ce qu'on a fait, c'est avoir beaucoup de solidarité, jouer les uns pour les autres. Intervient ensuite plusieurs récompenses. Meilleur joueur, meilleur coach, meilleur buteur du tournoi sont primés. La Clinique La Life reçoit une prime de finaliste de 200 000 francs CFA, tandis que le vainqueur, Kaïsa, remporte la somme de 1 million de francs CFA. Des récompenses offertes par l'AJBC avec l'appui de plusieurs partenaires. Un geste de cœur salué par Sa Majesté Menjenge, chef traditionnel de Bépanda Tezef. Ce quartier était croupissé dans les mauvaises choses. Mais depuis qu'il y a le sport là, ça fait que les gens sont concentrés, les jeunes sont concentrés et on évite bien des choses. Félicitations à Bépanda Change pour cette organisation qui là est de l'avant. Dans la foulée, l'association des jeunes de Bépanda Change et ses partenaires offrent du matériel didactique aux élèves du quartier, sans oublier les familles nécessiteuses. Divine Love Association est satisfaite de tout le travail que Bépanda Change a mis parce que non seulement c'était un grand match, c'était aussi une occasion d'aider les gens, les enfants, les personnes vulnérables. Ils nous ont montré qu'ils peuvent aider les gens, ils peuvent faire quelque chose à travers ce genre de festival.
Et puis ça a été un rêve pour moi parce qu'en tant qu'ancien international camerounais de judo, ça a été un rêve pour moi de croire qu'à Bépanda, nous pouvons changer. Surtout ce Bépanda qui était longtemps stigmatisé comme un quartier des démunis, un quartier des personnes indisciplinées. De croire qu'il y a des talentueux chez nous. Et c'est un rêve pour moi de hisser la jeunesse à un niveau plus haut. Déroulé sous le regard des autorités traditionnelles et autres élites du quartier, la 4e édition du tournoi Ocala 2.0 Petit Gaul a tenu toutes ses promesses avec pour objectif de lutter contre la délinquance juvénile et prôner le vivre ensemble. C'est avec cette initiative de Bépanda Change que la première partie de votre journal rentre en gare. La seconde partie en langue anglaise est avec vous, Mala Glory. Once more, good day. Good day to you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, good day and thanks for joining us for the second part of the news. The ghost town phenomenon in the Northwest region paralyzed back to school or school resumption across the Northwest region. Characteristics of back to school was absent in the town of Bamenda, but in Kambe, about 23,000 students and pupils showed up for the first day of school. Details with our Northwest correspondent, Bu Stella. Across the Northwest region, the ghost town phenomenon instituted by separatists paralyzed effective school resumption. The usual busy nature of the roads, characteristic of a new school year, was absent across some major towns of the Northwest region. The picture of back to school is different in Kambe, Dungamantun division. Statistics suggest about 23,000 pupils and students clothed in their various school uniforms answered present. I feel happy in school today because I see my friends and my teachers. School authorities say the turnout this day was impressive and the challenges are mounting. We have already started receiving admissions into lower seats, but we could have started with the science department, but for the fact that we cannot have science equipment and accommodation, we need a computer lab. Although some institutions still face challenges ranging from the influx of students and pupils to inadequate facilities to accommodate them, the senior divisional officer from Dungamantung Division says the turnout recorded today are fruits of concerted actions. The teaching and learning exercise is going on hitch-free. We had many children in the classrooms than the available space. The security aspect was taken care of by the collaborators of the Forces of Defense and Security with the vigilant groups that were formed at the level of the traditional authorities. And we hope that this serenity will continue in all the institutions. In Kambe, school resumption has been termed effective, whereas other towns in the region are yet to fully resume. The 2023-2024 academic year started hitch-free in the town of Limbe, though with a timid turnout. Our reporter Davidson Maimo tells us that due to the impact of the Anglophone crisis, which has affected economic activities, some parents were still struggling with their children's admission. Here's the report. It is a very serene atmosphere here, and we are in Form 1 of Government High School Limbe, where the children, the kids, it is your very first day in secondary school. Good morning. Good morning, sir. How are you? I'm fine, thank you. How do you feel being in secondary school your very first day? I feel very excited because it is my first day and I'm going to make new friends here. I just want to thank my mom for making me to be very intelligent. Even God is because of God that I'm here. So I want to thank everybody for giving me all the knowledge, all the privilege for me to be here today. Despite the odds, the 2023-2024 academic year kicks off hitch-free in the seaside resort city of Limbe, though with a timid turnout of students and pupils. Well, the turnout is somehow timid. We are expecting more than 2,500 students. But today we have probably 200 students in school. Being a Monday, within the context of the ongoing Anglophone armed conflict, the number of patrol units from the different defense and security contingents speaks for itself as to why Limbe is described as a safe haven. It is a Monday. You understand me better. We are very impressed with
the outcome of the children. School administrators say that for the past 5 years, students' admission application forms have continued to increase, especially in public schools. Madame Kalesingen Jonjemiri Namundu is the principal of Government High School in Limbe. Many parents are struggling to seek for admission, but there is no space in school. We have limited classrooms. Because of that, we cannot admit so many students. And we are pleading with the government to give us additional classrooms. The divisional officer of Limbe 1 subdivision, Moni Innocent Nanje, sent a clarion call to parents for every child to be in school. The eve on day one of the academic year was also characterized by a number of security incidents that marred the effectiveness of school resumptions in the northwest and southwest regions. In Kumba, a secondary school girl was killed by a stray bullet and two teachers were assassinated in Boyo Division. Details with Fomi Amson Sanda. The lifeless body of Ajek Hilda, surrounded by wailing family members at the corridors of the Kumba Regional Hospital annexed. Local sources say that Ajek Hilda, a third form student of Government High School Kaken Kumba, got killed by a stray bullet at their Maiwan residence in Kumba. Family sources narrate that the bullet perforated their building and tore open her stomach, leading to her untimely death. Kumba had been buried in sporadic gunshots throughout the night, breaking Monday, September 4, 2023, a disturbing security atmosphere that contributed to paralyzed activities and empty streets on day one of back to school in the city of Kumba. In another scene, but similar security incident, two headmasters got assassinated by suspected separatist fighters in the Boyo Division of the Northwest Region. Proximity news sources say that Mr. Fonjang Eric Dianse and Mr. Ndim John Budji were killed around the Ije Mountain Forest on Sunday, September 3, 2023. They were on their way back from Bello, where they attended a basic education sector conference ahead of the start of classes on Monday, September 4, 2023. And a national gendarmerie road safety campaign has been launched on the national road number 1 connecting the Gadamawa region to Garwa, Marwa and Kuseri. This is in a bid to limit the number of accidents during this back to school period. Details with Innocent Aze. Back to school and frequent accidents on the national road number 1 linking Gaundere in the Adamawa region and Marwa in the far north region are the reasons why these elements of the National Gendarmerie conduct this road safety control. À la suite des accidents survenus sur nos axes, surtout à la falaise d'Embe. It is due to repeated accidents on this La Falaise d'Embe and also start of the academic year that hierarchy tasked us to carry out this control exercise in a bid to avoid overloading, reckless driving and overspeeding, which often results to loss of lives. Scolaire 2023. Sans accident. Apart from these, they are also authorized to sensitize the road users to respect driving codes, be in possession of driver's license, have good brakes, and also ensure their vehicles and tires are in good state. Non seulement sensibiliser et aussi réprimer les infractions concernant les récalcitrants de la route. Passengers hail this initiative, wishing it lasts long, given that their security will be guaranteed until they arrive their destination. C'est bien pour la sécurité déjà des passagers, ce qui fait que les passagers vont se sentir en sécurité. Others plead authorities should ameliorate the state of the degraded road, which has been a factor of road accidents. Now, Nere Garwa et Marwa et Kusiri, très mauvais. Il faut que l'État vienne en aide. The population as a whole have been urged to collaborate with the road safety team for flexible and safe transport. Cette quittance, hein, ça ne vous permet pas de rouler en toute quiétude jusqu'à destination.
And in news out of the country, nationals of Niger have continued with demonstration in front of the French military base, calling on them to leave the country. While in Zimbabwe, the president-elect has been sworn in as the new president. Details with Anne Abila. It's already 1 week and above since the military leadership in Niger demanded the French ambassador in Niamey to leave the country. Yet, the French foreign minister reiterates her country's commitment to maintaining troops in Niger and keeping the French ambassador in place. Consequently, tens of thousands of Nigerians have been demonstrating in the streets of Niger and in front of the French military base in Niamey. They have been assisted or supported by a greater part of the people, providing them with basic needs such as food. Nous avons décidé chaque soir de faire 1500 plats et aider cette jeunesse. The young and determined protesters are calling on France to withdraw its troops from Niger. France has about 1,500 troops in the country rich in uranium. Meanwhile, the airspace in Niger, which was shut down or closed after the military coup, authorities have announced would be reopened for the country's civil and commercial flights. The decision to open the airspace, however, does not apply to military flights which are subject to authorization from the competent authorities. Flights to Niger may still be restricted due to economic sanctions imposed by ECOWAS. And in Zimbabwe, President Emmerson Mnangagwa's supporters have been celebrating as the president-elect was sworn in as the new leader of Zimbabwe. Official results have shown that incumbent President Emmerson Mnangagwa won the polls with 53% of the vote. Emmerson Mnangagwa took the oath in front of the Chief Justice and was cheered by thousands of supporters. The ceremony was boycotted by the main opposition party, Citizens Coalition for Change. It has called for fresh elections, describing President Emmerson's win as a fraud. The swearing-in was attended by South Africa's President Cyril Ramaphosa and other top personalities of the Southern African zone. Your Excellencies, you may take your seat. And that is how you saw it on today's Balingua newscast. See you tomorrow, same time, for another edition. But till then, stay with us for more programs on Equinox Television. Do have a beautiful day. Christine Babanda, bonjour à vous. Do have a beautiful day, Shimala Glory, Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Restez en compagnie de nos programmes, les meilleurs.